Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera une salade sauce César. On voit la sauce tout de suite pour faire l'intro sur ma vidéo parce que je vais vous garder en cuisine et on se retrouvera avec le dressage des assiettes à la fin. C'est parti! De l'ail. Je vais te donner combien? Trois, quatre petits trucs et un oignon rouge. Ça épluche le lait, tiens, au moins. Voilà. Je mets un tout petit couteau là. Je te le donne. Je l'ai dans les mains. Voilà, ça. Maintenant, une poulet. Fermez la mêle. Je sais pas si j'ai bien cadré, ouais. Voilà. Là, il faut le parmesan, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, le parmesan, les anchois, un peu de capre. Un peu tout mon poulet. Tu veux faire une attaque? Non. De la pelle? Ouais. Je sais pas si on a remis de la pelle qu'on l'a vu. Je crois que c'est du porc. Elle est dans le lave-vaisselle. Oh, tout le monde peut en faire. Est-ce que tu as besoin d'un peu de maman? C'est les poires. Sel, poivre et un peu de piment. Piment. Ça, voilà. Non, mais là, je veux qu'il cuise doucement. Je veux pas de coloration sur mon truc. Je veux pas du poulet grillé, là. Je veux du poulet mou. Ah, tiens, oui, ça a un peu rouge en lui. Pas du tout dans le four. C'est clair ou pas clair? Ah, mon coca. Si, je crois qu'il m'en a laissé. Ouais, je l'ai laissé là, mais là. Mais il y en a dans le placard, dans le frigo ou là? Non, là, en dessous. Il n'y a pas que là. Là, j'ai mon huile. Un verre. Un jaune d'œuf. Une cuillère de moutarde. Une belle cuillère, hop, dans mon gel. On le voit là, ça me donne ça. Cuillère de moutarde. Oui, c'est ma mère. Baisse-le, ça, maman. Mets-le à deux, c'est bon. Oui, c'est joli, maman. 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 Oui, maman. Oui, maman. Voilà, donc là on est bon. Maintenant tu peux me sortir le mixeur. Là, là je mets mon ail. Le mixeur c'est quoi que tu veux? Le plongeur? Le seul que t'as. Et tu veux lequel? T'as le choix? Non mais c'est formidable ma mère. Hein, tiens, bon, c'est là. Hein, elle est dingue ma mère. Elle est simple. Lequel tu veux? Mais celui-là que t'as. Non, ça va. Le seul et unique. Là. Ah, après, vous êtes trois, me charrier, c'est pour ça que je suis obligée de couper au montage. Non, il n'y a pas trois, chérie, on est deux. J'ai dit trop. J'ai pas dit trois. Une belle cuillère de capre. Alors, ça, dans ton huile, hein. Ouais.
Hop, là on est bon. Maintenant. Ok. Ok Google. Ok Google. Est-ce que j'ai une mix? Tiens la main. Tiens la main. Ok. Non mais tiens, tu veux la petite pochette pour la frapper? Ouais. Un petit pic à escargot. Hop, là. Là j'en ai mis trois. Allez, encore un petit là. Comme ça. Faire le salade du salon. Et après, il va jusqu'au fond. Là j'ai fait pour 3. Je vais bien se récupérer. C'est les œufs là, c'est bon. Ben, c'est 10 minutes les œufs durs. Ah ouais. Si t'as pas mis le chronomètre. Non, je mets pas. Tu l'as pas mis? Non. Donc œufs durs. Tu fais tourner. Si la rotation elle s'arrête pas, et il tourne bien et que vraiment il tourne à fond, c'est qu'il est bien cuit. Là, je peux le laisser encore un peu, la rotation va s'arrêter. Parce qu'un œuf cru, il tourne pas. Tu savais? Il fait un tour et demi, il s'arrête. Dès qu'il est dur, le jaune, il ne peut plus bouger dedans. Donc la rotation se fait. Donc là, on est bien monté. Là, je vais venir mettre ma crème. Ce que j'ai mis là, je mets 4 belles cuillères de crème, 3, 4, donc pas mal. 4 cuillères à soupe de crème. Ouais. Oui. Voilà. Et là, le parmesan. Donc le parmesan, c'est comme on aime. Moi, je mets 2 comme ça. C'est à la base la César. Est-ce qu'elle se conserve? C'est du parmesan. Si tu mets pas de parmesan dedans, tu l'épaissis pas pareil. Rajouter l'anchois et tout par dessus, on va faire un poulet, mouton, œuf dur, tomate. Ouais, après. Là, t'as la vraie César. C'est bon, là, je peux arrêter? Ouais. Le poulet. Je peux passer de l'autre côté. Le poulet est cuit. Ça, c'est juste pour décoller. Hein. Le poulet, il est cuit. Il n'est pas salé par contre. Le poulet? Ouais. J'ai salé. Voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à dresser les assiettes. Après, on dresse les assiettes. Donc le poulet, faut qu'il soit froid. Non, le poulet tienne. Là, on va en prendre un morceau. On va le tailler. On va voir comment il est dedans. Mais là, maintenant, il va être cuit. Voilà, il est nickel. Là, il est bien moelleux, comme s'il était un petit peu en bouillon. C'est comme ça que c'est. Je vais mettre un peu d'herbe.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je suis vraiment désolée pour les bruits de fond, mais j'avais envie de temps en temps de vous laisser aussi comment ça se passe dans la vraie vie en cuisine. Donc voilà, j'ai bien évidemment fait quelques coupures pour pas que la vidéo soit trop longue, mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Ciao, ciao!